L'important, c'est que je sois là, que tu sois là, que nous soyons là, qu'on soit là, quoi. Mais de la musique, mais de la musique. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça fait un bien d'être ici. Tu peux pas savoir. Je suis épuisé. Épuisé. Mais quelle journée. Mais quelle journée. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me change. Je vais faire. Eh bien, pour pas. Pour ne pas rester comme ça. Il y a 15h, 15h30, j'avais rendez-vous avec, disons, une femme. C'est pas vrai. Tu m'as menti à moi, à un ami, à ton supérieur. Tout petit peu. Et tout ça pour aller voir une femme en cachette. Voilà. Enfin, c'est ridicule. T'aurais pu me dire la vérité, j'aurais pu comprendre. Non, je crois pas. mais si, enfin, pour qui tu me prends? Eh, pour ce genre de choses, entre hommes, on se comprend toujours. Non, pas toujours, pas toujours. Mais si, eh, et cette femme, je la connais? Oui. Qui c'est? Ben, c'est... Non, je peux pas te le dire, non, je peux pas. Je peux pas. Mais attends, c'est pas du tout un danois, c'est un pitbull. On s'en fout, c'est la même chose. Alors là, Jacques, permets-moi de te dire une chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout. Tu vois, le danois, c'est un chien assez grand. Avec un pelage court comme ça, tu vois. Et avec une grosse tête, avec des bajoux et qui bavent. Alors que le pitbull, c'est un chien plus trapu, tu vois, avec les pattes un peu torses, et qui bavent comme ça. Mais c'est super cool! Cool, du trop! Mais oui!
Embrasse-moi, mon pute. Mais il faut que j'aille à l'hôpital. Embrasse-moi, mon pute. Non, mais il n'y a pas de verre, il n'y a pas de biquet. Moi, la pute. Oh, ça me regarde. Je ne peux pas passer le week-end avec toi. Toutes ces émotions, j'ai pas... Je te qui tourne. C'est votre femme, moi. Vous aviez raison, elle a volé en forme. Non, c'est pas ma femme, enfin. C'est Simone, la maman de Bertrand. Ah, oh, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Rien, je passais, moi. Je passais. C'est qui, cette... panthère? C'est... Eh bien, cette... panthère, comme vous dites, chère madame, c'est Myriam, ma... Ma femme. Je viens de me rendre compte d'une chose. Je ne peux pas me passer de toi. C'est vrai que tu as très bien parlé d'amour tout à l'heure. Mais est-ce que c'était encore un mensonge? Le reste, oui. Mais ça, non. Tu me crois? Non. Mais je vais bien essayer. Mais je te préviens, c'est la dernière fois. D'accord.